Nous avions divisé le cours de catéchisme en trois parties. Selon cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis la vérité, la voie, la vie. Nous avons étudié dans la première partie du cours de catéchisme Jésus-Christ vérité. C'est l'ensemble des vérités que nous devons croire pour être sauvés, ce que l'on appelle communément le credo, les articles de notre foi. Dans un deuxième temps, nous avons étudié Jésus-Christ voie, c'est-à-dire la façon dont il faut se comporter et suivre notre Seigneur Jésus-Christ pour arriver au ciel. C'est ce que l'on appelle communément la partie morale, mos, qui veut dire la façon d'agir. Ce sont les 10 commandements de Dieu, ce sont les commandements de l'Église, c'est tout ce que nous avons vu donc jusqu'à la dernière leçon. Et aujourd'hui, bien, nous commençons une troisième partie, la troisième partie, que l'on peut définir ainsi, Jésus-Christ a dit « Je suis la vie ». C'est-à-dire que nous allons étudier dans cette partie tout ce qui, en nous, donne la vie de l'âme, la vie de la grâce, justement. C'est ce que l'on appelle communément soit la grâce, soit les sacrements. Ce sont finalement tous ces moyens et toutes ces choses qui, en nous, font que nous vivons de Dieu. Pour commencer cette partie, eh bien, attardons-nous d'abord sur ce que l'on appelle la grâce. C'est un mot que l'on rencontre couramment, fréquemment, et comment dire, presque dans tous les sermons, un prêtre parle toujours de la grâce. On en parle en confession, quand il faut parler à un fidèle, quand il faut lui dire de profiter de la grâce de Dieu, par exemple, de s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et souvent, donc, ce mot employé habituellement, souvent, les fidèles ne sont pas capables de définir, on dit qu'est-ce que c'est que la grâce, savez-vous définir la grâce? Et il y a, on est un peu embêté. Alors qu'est-ce que la grâce? C'est ce qu'il nous faut définir dans ce cours, présentement. La grâce, comme le mot l'indique, c'est quelque chose de gratuit. Faire grâce, n'est-ce pas, à quelqu'un, quand par exemple un chef d'État fait grâce, il le gracie, c'est-à-dire, comment dire, l'arrache à la mort. Faire grâce, c'est donner gratuitement une faveur à quelqu'un. On n'y était pas dû. La personne qui la donne n'était pas due de donner cette grâce. Eh bien, la grâce, dans l'ordre surnaturel, c'est aussi la même chose. La grâce de Dieu, c'est un don surnaturel, un don gratuit, surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'ordre de notre nature, quelque chose qui n'a pas de commune mesure avec notre nature humaine, qui lui est bien supérieure. Eh bien, ce don, Dieu nous le fait gratuitement, c'est-à-dire par pure bonté, en vue de notre salut éternel. Autrement dit, et pour rester pour l'instant assez général, la grâce, c'est un cadeau que Dieu nous fait, à nous, hommes, un cadeau que nous ne pouvions pas demander parce qu'il dépasse nos capacités, que nous ne pouvons pas espérer obtenir par nous-mêmes parce qu'il dépasse, encore une fois, toutes les limites de la nature humaine. Donc, un cadeau que Dieu fait de quelque chose qui nous dépasse, de surnaturel, et cela en vue de notre fin éternelle, c'est-à-dire en vue de notre salut, en vue d'aller au ciel. Voilà. Voilà ce qu'est la grâce de façon générale. Vous voyez, c'est Dieu qui s'abaisse à nous donner quelque chose pour nous élever vers lui. Un peu, si vous voulez, mais là encore, il n'y a pas de rapport assez juste, un peu comme si un homme décidait de doter un animal ou son animal de compagnie du langage. Imaginez donc, un homme possède chez lui un chien ou un chat, peu importe, et il décide de lui faire ce don de pouvoir parler avec le langage humain et de comprendre et d'avoir une conversation avec nous. Il lui fait cette grâce. Eh bien, dans l'ordre surnaturel, Dieu fait un peu la même chose avec nous. Sauf que l'écart, si l'on peut dire, qui existe entre Dieu et l'homme, est infiniment plus grand que l'écart qui sépare l'animal de l'homme. C'est-à-dire que le don que ferait l'homme à un animal, par exemple ici, de pouvoir parler, est infiniment inférieur au don que nous fait Dieu de la grâce dans nos âmes. Voilà donc pour cette définition générale de la grâce, c'est quelque chose donc de surnaturel qui nous dépasse, que Dieu nous donne gratuitement, et tout ça pour aller au ciel.
parce que le ciel est surnaturel. C'est-à-dire que la grâce va nous mettre en proportion avec notre fin dernière. C'est cela qui est important. Le bon Dieu nous donne une fin surnaturelle qui nous dépasse le ciel et que par nos propres moyens, nous ne pouvons pas obtenir parce que nous sommes dans deux ordres différents. Il y a l'ordre surnaturel et l'ordre naturel. Et l'ordre surnaturel nous dépasse. Eh bien, par la grâce, Dieu nous fait un don qui prend notre âme, si l'on peut dire, et l'élève à l'ordre surnaturel pour être capable d'obtenir la fin dernière. Voilà, donc de façon générale, ce qu'est la grâce. Autrement dit, voyez-vous, sans le secours de la grâce, il est impossible de se sauver. Celui qui n'a pas la grâce, celui qui n'a pas de grâce, disons, pour l'instant, ne peut pas aller au ciel. Parce que, justement, il n'est pas en proportion. Sa nature, voyez-vous, n'est pas proportionnée à l'ordre surnaturel. Donc il ne peut pas obtenir sa fin dernière. On dira c'est injuste. Oui et non, parce que Dieu, qui nous détermine à une fin dernière, nous donne aussi les moyens, nous donne les grâces de pouvoir l'obtenir. Le bon Dieu, si l'on peut dire de façon courante, c'est un patron qui est juste et comment dire, aimable. C'est-à-dire qu'en nous assignant une fin, il nous donne les moyens de l'obtenir, ça c'est certain. Donc personne ne pourra se plaindre au jour du jugement dernier en comparaissant devant Dieu, en disant « pour moi c'était pas possible ». C'est vrai, pour notre nature, ça n'est pas possible d'aller au ciel. Mais le bon Dieu nous dira « je vous ai donné des grâces, justement. Je vous ai fait le cadeau de beaucoup de grâces durant votre vie. C'était facile d'aller au ciel. Et vous avez refusé la grâce ». Voilà donc de façon générale ce qu'est la grâce. Il existe deux sortes de grâce. Et c'est là qu'il faut bien s'entendre, parce qu'on parle toujours du mot grâce, mais de deux façons différentes. La première, on l'appelle la grâce sanctifiante ou habituelle. Et la seconde, on l'appelle la grâce actuelle ou passagère. Il s'agit de ne pas confondre les deux, bien qu'elles soient toutes deux des grâces, c'est-à-dire des dons surnaturels gratuits donnés par Dieu. La première est la plus importante. On l'appelle la grâce sanctifiante, c'est-à-dire la grâce habituelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est le don que les trois personnes divines nous font de la vie surnaturelle en venant habiter dans notre âme. Autrement dit, la grâce habituelle, c'est pas seulement un truc que Dieu nous donne pour nous aider, c'est Dieu lui-même qui vient se rendre présent dans notre âme, Père, Fils et Saint-Esprit, donc Dieu tout entier, qui se rend présent dans notre âme et fait vivre notre âme de sa vie elle-même. Autrement dit, la grâce sanctifiante, c'est la vie de Dieu dans notre âme. Voilà pourquoi celui qui a la grâce sanctifiante a Dieu en lui. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait cette parole, hein. Elle disait, et je crois que ça a été mis en chant, c'est peut-être un poème, je ne sais plus, « Le ciel a visité la terre ». Et c'est très joli, et c'est très juste. Je dirais presque de la même façon que Dieu a pu s'incarner en devenant un homme, eh bien, de la même façon, il n'est pas impossible à Dieu de se décider de venir vivre substantiellement dans notre âme, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. Sanctifiante parce qu'elle nous sanctifie, et elle nous met vraiment en cohabitation avec Dieu, vous voyez, c'est comme là pour le coup si on donnait à un animal quelque chose de notre vie humaine pour qu'il puisse cohabiter avec nous. Voyez. Et le bon Dieu le fait, c'est la grâce sanctifiante. Donc on l'appelle sanctifiante, mais on l'appelle aussi habituelle parce que c'est un état. C'est un état de grâce, c'est cela l'état de grâce. Quand on dit de quelqu'un qu'il est en état de grâce, on signifie par là qu'habituellement, c'est-à-dire un état c'est quelque chose qui dure, qui demeure, qu'habituellement, donc, Dieu vit en lui et la personne vit en Dieu. Voilà donc ce que c'est que la grâce habituelle. C'est cet état dans lequel l'homme vit en état de grâce, c'est-à-dire en présence de Dieu ou Dieu présent substantiellement en lui. Voilà donc pour l'état de grâce. Et l'on comprend que il faut cet état de grâce pour aller au ciel. Parce que au ciel, qu'est-ce que c'est le ciel ? C'est la vie de Dieu partagée pour l'éternité. Si cette vie, et on reprend toujours ce schéma, n'est-ce pas, entre l'ordre surnaturel et l'ordre naturel, si cette vie n'est pas déjà participée par l'homme sur cette terre, au moment où l'homme meurt, s'il n'a pas la vie de Dieu, il ne peut pas vivre avec Dieu. Voyez ? Si l'homme qui meurt est en état, on dit, de péché mortel, eh bien, celui-là ne peut pas aller au ciel. Donc, vous voyez, c'est pas injuste, c'est normal. En revanche, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est injuste de ne pas donner
la vie de la grâce. Il la donne. Mais quand il la donne, ensuite, à l'homme de la conserver par sa fidélité. Voilà pour l'état de grâce. C'est une élévation de notre âme à la vie divine. C'est comme si nous entrions dans la Sainte Trinité, que nous vivions en communauté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelque chose d'absolument merveilleux, de magnifique, de splendide, quoi. C'est presque innommable. C'est merveilleux. C'est indicible. Voilà donc pour l'état de grâce. D'ailleurs, cette grâce sanctifiante, en même temps, elle vient guérir notre âme et nous aide à lutter contre les tendances du péché originel qui sont en nous, particulièrement contre la concupiscence et la faiblesse de la volonté. Cette grâce sanctifiante nous est donnée de deux façons. Ordinairement, par le baptême, puisque c'est le baptême qui est une naissance, comme nous le verrons, mais aussi, si elle venait à être perdue, par le sacrement de pénitence, c'est-à-dire par la confession. Après la grâce habituelle, il faut parler maintenant de cette grâce que l'on appelle actuelle. On la différencie justement parce qu'elle n'est plus un état de grâce. La grâce actuelle, qu'est-ce que c'est ? C'est un secours passager que Dieu donne pour pouvoir produire des actes bons et surnaturels. Donc là, pour le coup, je dirais, c'est comme un peu le maître nageur qui est au bord de la piscine et qui de temps en temps tend la perche à celui qui nage pour qu'il ne se noie pas et l'aide. Ou un peu comme une maman qui tient de temps en temps la main de son enfant pour qu'il ne tombe pas, puis il lâche sa main ensuite quand il marche tout seul, la reprend quand elle voit qu'il va tomber et puis lâche à nouveau. Eh bien, le bon Dieu, pour nous permettre d'être fidèles, en plus de la grâce habituelle, nous donne des grâces actuelles par lesquelles il nous permet de poser des actes bons, des actes surnaturels, et finalement de croître dans cette vie de la grâce. Par exemple, celui qui fait sa prière, tout simplement, le seul fait que chez lui il se mette à genoux et prie Dieu, c'est une grâce actuelle à laquelle il a été docile. Celui qui va se confesser, il a une grâce actuelle pour faire une bonne confession. Et le bon Dieu dispense très régulièrement, très habituellement, si l'on peut dire très régulièrement dans ce sens, ces grâces actuelles. Simplement, ça reste des grâces, c'est-à-dire des dons gratuits. Autrement dit, celui qui refuse habituellement la grâce, au bout d'un moment, le bon Dieu n'est plus tenu de la lui donner. Mais faute à celui qui l'a refusée, celui qui ne vit pas dans l'état de grâce, celui qui refuse toutes ces petites inspirations qu'il peut avoir dans la journée de servir Dieu, de faire un bien quelconque, celui-là, à force de refuser, finalement, dit habituellement au bon Dieu, vos cadeaux ne m'intéressent pas. Et un jour, le bon Dieu peut très bien dire, je ne t'en donnerai plus. Mais c'est pour la damnation éternelle, hélas. Voilà donc comment les grâces actuelles sont des secours passagers auxquels il nous faut être, fidèles le plus possible. Comment perd-on d'abord la grâce habituelle ? On la perd par le péché mortel. C'est-à-dire, le mot dit bien la chose, et souvenez-vous de ce que nous avions dit quand nous avons fait les leçons sur le péché. Le péché mortel, c'est le péché qui détruit la vie de Dieu que nous avons en nous. La mort, c'est la fin de la vie. Voyez, voilà pourquoi le péché mortel est quelque chose de grave, parce qu'il détruit l'amitié divine. C'est ça, l'état de grâce, c'est une amitié divine. Une amitié, c'est un convivere, on dit en latin, c'est-à-dire vivre ensemble. Deux amis recherchent la vie commune, si l'on peut dire. C'est comme ça qu'Aristote l'a défini. Eh bien, Dieu qui se fait notre ami vient vivre en communauté, si l'on peut dire, avec nous, dans notre âme. Et en vivant dans notre âme, justement, il se fait notre ami et nous sommes l'ami de Dieu. Celui qui pèche mortellement pèche contre cette amitié, c'est-à-dire pèche contre la charité de Dieu, contre l'amour de Dieu, c'est la même chose. Et en péchant contre cet amour de Dieu, il refuse finalement l'amitié de Dieu, chasse cette amitié et perd de ce même coup la grâce. Voilà pourquoi cette grâce habituelle se retrouve par la confession, c'est-à-dire le regret du péché, sincère regret, la contrition, on en reparlera, et le désir de se corriger. Les grâces habituelles se refusent. Elles ne se perdent pas en ce sens que, comme elles ne sont pas un état de grâce, elles ne se perdent pas. Simplement, pour les avoir, les grands moyens d'obtenir les grâces actuelles, ces grands moyens, ce sont la prière et les sacrements. Et c'est les grands secours
que nous allons étudier dans cette troisième partie, puisque je suis la vie, et bien ce sont les moyens par lesquels nous conservons la vie de Dieu en nous. Il reste à dire un mot d'une notion peut-être un peu difficile qu'on appelle le mérite et qui est liée à la grâce. Celui qui est en état de grâce peut mériter. Qu'est-ce que cela veut dire? Mériter, c'est avoir le droit à une récompense à cause d'une action bonne qui a été posée. Et le bon Dieu, alors là, est extrêmement bon parce que non seulement il nous donne le don de la grâce, l'état de grâce, mais il donne à celui qui agit en état de grâce la possibilité de mériter quelque chose. C'est quand même incroyable. Non seulement donc il nous donne de bien agir par la grâce, mais en même temps il nous dit, si vous agissez bien avec la grâce qui est gratuite déjà, eh bien je vous donnerai en plus une récompense. Le mérite, donc, c'est ce droit à la récompense que l'on accumule par nos bonnes actions faites en état de grâce ici-bas. Voilà pourquoi il est important justement de bien agir pour pouvoir mériter davantage au ciel.